Hey Lufto, quand on se retrouve, c'est Kaisu, l'ermite des Jiluga. Et c'est parti pour Spyro the Dragon sur la Rainy Tête Trilogy, évidemment. Allez hop! Donc la dernière fois, j'ai vu. J'ai eu beaucoup de commentaires concernant le truc avec les pouces rouges, etc. Alors, il y a quelques petits malins qui ont fait genre. Vas-y, je te donne un pouce rouge, vu que t'es jaloux de Zozo, ou bien juste pour faire plaisir, allez hop, un pouce rouge. Vous êtes des malades, franchement, vous êtes de gros malades. Mais bon, c'est pour ça que je vous aime. Vous êtes aussi malades que moi. Allez, hop! La dernière fois, nous avons fait Canyon Aride. Donc cette fois-ci, je vais faire... Dégage là. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais faire... Caverne de glace. Caverne de glace, et si j'ai le temps, je ferai aussi Dr. Shrimp. Qui serait pas mal. Évidemment. Alors, lui, le chemin pour y aller. Non, c'est un petit passage souterrain que je loupe toujours en général. J'ai vraiment du mal avec les nouveaux graphismes. Un peu plus discret qu'avant. Non, faut aller là-bas. Alors certains d'entre vous vont me demander pourquoi t'as une capuche. Alors plusieurs raisons. De 1, je porte ces vêtements là parce que c'est le t-shirt que enfin le t-shirt que j'ai porte du vert. Et donc du vert sur un fond vert, ça risque d'être très salé. De deux, parce que j'ai une coupe de cheveux tellement merdique. Faudrait que j'aille chez le coiffeur quoi. J'ai une coupe de cheveux tellement merdique que je préfère mettre ma capuche. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en général je m'en fous mais... Allez, un minimum... On se soigne un minimum. Du moins comme on peut. Caverne de glace, c'est pas par là-bas. L'épisode précédent, je t'avais trouvé en plus. Ah bah, c'était là. D'accord. Voilà, caverne de glace. Un de mes niveaux préférés. C'est d'ailleurs mon niveau préféré de ce monde-là. Mon niveau préféré des Pacifiques pour la musique de 1 et juste l'ambiance, regardez. Ils l'ont tellement bien retravaillé. Oui, je sais déjà, puisque... j'avais déjà tourné des épisodes à l'avance, mais j'ai dû tous les virer. Je rappelle. Ouais, j'ai dû tous les virer. Non, pardon, c'est juste que je profitais de la vue qui est juste magnifique. Ah, franchement. Là, y'a pas à dire. Beau gosse. Enfin bref, j'ai dû tout se virer pour... parce que la qualité était merdique, c'est un gros foirage de record. Ça m'apprendra à pas faire mes tests à l'avance. Enfin. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Sauf que moi, je fais un petit peu trop d'erreurs ces temps-ci. Hop, dégage de là. Ça va, la musique est plus ou moins fidèle. Ulrich. Un mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que... moi, avant de charger ces grands ennemis.
boum boum sur le bouclier, tellement badass. Ouais, ce monde s'appelle les Pacifiques, mais il y a vraiment des sacrés guerriers, hein. Pour des Pacifiques, sont bien badass. Non, les jeteurs de boules de neige, vous êtes très fourbes, vous n'avez pas changé. Eux avec leur chapeau russe là, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom normalement. Ceux qui s'y connaissent dans les commentaires, vous me direz. Donc du coup, oui, en parlant de commentaires, j'étais très très surpris et très content de voir les retours de mon épisode 4 par rapport aux questions que je vous ai posées. Il y a eu des commentaires très francs. Zozo et moi avons pu prendre en compte. Ah, un autre dragon. Todor. Spéro, il y a des grands gnorques là-bas qui portent tes armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Todor vient de nous donner un indice. Donc il y a des gnorques qui sont là-dedans, qu'on pourra ni cramer, ni tuer. Enfin, on peut les tuer, mais il faudra en fait les pousser dans le vide. Parce que leurs bottes de métal glissent beaucoup. Donc là ici il faut faire un petit coup de bélier pour faire tomber les gemmes. Voilà. Alors. D'ailleurs le design de ce dragon fait très hibou. J'aime bien ce perso. Avec ses yeux. Ses ailes en forme de. D'ailes d'oiseau. C'est pas mal. D'abord, je vais m'occuper d'ici. Ah oui, il faut la clé. La clé se trouve dans une des cavernes. Oui, parce que il y en a plusieurs des cavernes, même deux en fait. Alors voilà le gnork en armure. Tu veux boxer? T'inquiète pas. Boum. Voilà. Alors ça c'est les chauves-souris qui permettent de nourrir Sparks. Voilà. Hop, petit coup de flamme. Non. Toi je t'ai vu direct. Alors. Hop. Je suis très prudent avec les gros parce que on peut très vite se faire avoir. Ah, une petite vie. Je ne dis pas non. Et encore un autre dragon. Ça en fait combien? Ouais, il y en a un sacré paquet. Il y en a 5 en tout. On est en notre troisième. Andor. Merci de m'avoir libéré. Quoi, c'est tout? D'accord. D'accord, d'accord. Et bien badass, aussi. T'as un qui s'est zib, il s'est cru en... En Arnold... aux Arnold classiques. Pour ceux qui connaissent. Compétition de bodybuilding. Ah non, la clé n'est pas une caverne, non, autant pour moi, putain. Non, elle est ici. Faudrait que j'aille là-bas et que je vole jusqu'ici, d'accord. On va voir ça après. On fera un petit retour en arrière. D'abord récupérer ce qu'il faut. Dégage là. D'ailleurs cet épisode sera en parfaite... Oh, cet épisode est parfait plutôt pour le temps qu'il fait aujourd'hui.
on se tape un de ces hivers. Mais un hiver vraiment dégueulasse, hein. C'est pas un hiver avec de la jolie neige. Non, non. C'est pas comme dans les films de Noël, non, 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 non. La vie n'est pas comme ça. La vie est bien plus dégueulasse. Voyons. Hop, voilà. Il y a le là, lui avec le ski. Bon après, on est en France, on n'est pas au Canada. Canada, c'est beaucoup plus joli l'hiver quand même. Beaucoup plus froid, certes, mais beaucoup plus joli à voir, clairement. Là, ici, on se tape des pluies dégueulasses, de la grêle dégueulasse, avec un ciel dégueulasse. Courage aux manifestants, hein. Les manifestants d'aujourd'hui, qui doivent bien se taper le froid. Alors lui, il faut faire attention. Eh non, tu m'as pas vu. Tiens, je te réchauffe un peu le cœur. Voilà. Toc. Hop, désolé. Pas grave. Il y a un truc, petit truc qui brille au sol, d'accord. C'est bizarre. Voilà. Allez, vise-moi encore. T'es nul. Nul à chier. Non. J'ai vu un truc qui brillait, mais en fait, non. Ragnar. Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi? Prêt pour botter les fesses de Nastinork, voyons. Ah, lui, il est badass, lui, Ragnar. Ça passerait bien avec son nom. Ça fait un peu diminutif de Ragnarok. Ragnarok, mythologie viking, les vikings, badass, etc. Voilà. J'aime beaucoup les designs des dragons des Pacifiques. Un autre qui s'exhibe. Donc ici, c'est la maison, ok. On a encore à faire. Pas tout de suite, allez. Je vais m'occuper de là-bas. Ouais, parce qu'il y a quand même à faire, là. Ah oui, ici, il y a un petit secret pour l'atteindre. Si mes souvenirs sont bons, il faut faire un énorme vol plané. Je pense me souvenir de l'endroit. On verra. Bon, je le trouverai, hein. Alors, Asher. Oh, merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, où en étais-je? Ah, tiens, la voix de Vincent Violette. Ah, il est partout, celui-là, dis donc. Enfin, pour l'instant, c'est surtout celui qui double Aku Aku et Uka Uka de Twintanity. Ah. Hop là. Eh hé, évidemment. Donc j'ai 368, il en faut évidemment 400, donc il y a encore à faire. Donc normalement, il y a un passage pour aller vers là-bas. Je puisse ensuite accéder à la clé. Il faudra que je remonte après. Ok. Bien, bien, bien. Ouh, attention.
Hop, hop. Petite sauvegarde au cas où si je me foire, hein, on sait jamais. Donc ici il y a le coffre. L'endroit pour accéder à la clé, que je me souvienne, il faut que j'ai une vue d'ensemble. Ah bah oui, c'est bien l'endroit où il y a le coffre. Ah bah oui, d'accord. Donc ici ça sert à rien de venir. Par contre, il me semble qu'au tout début, si je dis pas de conneries... Si je passe par là... donc là, ici, à la fin... Ok. Normalement, le secret, il est là. Ouais. Et voilà, des petites vies gratos. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est toujours bon de savoir. Faut dire que ce jeu aime bien taquiner les joueurs avec les secrets. Ça, y a pas à dire. C'est ce qui faisait le charme justement de cette licence. Chose qu'ils ont totalement arrêté avec les Legends. Hein. Y a plus rien de Spyro dans les Legends, je trouve. Ils sont sympas hein, les Legends, mais c'est plus le jeu d'aventure qu'on aimait quoi. Là, c'est plus pseudo-aventure, mais beaucoup plus beat'em all. Hop. Après, ils essayent des choses hein, aussi. Hein. Ils essayent de pas être répétitifs. Radical Entertainment, c'était des expérimentaux, quoi. Des expérimentateurs, plutôt. Pour rester plus correct. Voilà. Allez, on remonte. Mais faut dire que l'univers de Spyro a énormément changé à partir des Legends. Ce qui fut pas le cas avec Crash, hein, qui a quand même énormément changé après les Titans. Les Titans, en fait, c'est aussi devenu un beat'em all, mais ils ont toujours gardé le petit côté plateforme. Des fois, on a quelques passages plateforme plus ou moins classiques. Et puis l'idée avec les Titans, c'est pas mal. Ils ont gardé un humour à la Crash, c'est... Quand même, on est dans un univers qui est beaucoup plus Crash Bandicoot-esque que Spyro. Spyro dans les Legends, quoi, on reconnaît plus trop les Spyro. Voilà. Et voilà, 100%, super. Maintenant, on retourne à la maison. Techniquement, je peux quitter niveau là. Hein. Mais allez, faire une petite balade. 19 minutes, j'ai le temps de faire Dr. Shrimp en mode perfect. Allez. Le souci en fait c'est que Legend of Spyro, son plus gros souci c'est le changement d'ambiance radical. On n'est plus dans le côté enfantin et le côté rêvasseur qu'il y avait dans Spyro. Il y avait aussi son petit humour et tout, mais là c'est devenu beaucoup plus froid. On va dire, malgré que Sparks est devenu un comic relief assez récurrent, hein. Sparks qui parle un peu trop à mon goût quand même. Et sinon, à part ça, surtout la fin de Spyro 3, je vais pas vous spoiler si vous avez pas joué au jeu, mais putain. Ah, elle déprime! Truc de dingue! Elle déprime! Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, c'est ça? Ou oui, je pense que c'est ça. Vu comment j'écorche le... Si jamais j'écorche vraiment le nom, j'en connais un qui va me taper dessus. Coucou Spy. Dr. Shrimp, allez hop! Donc, il y a un petit point d'aptitude, enfin,
points d'aptitude. Il n'y a pas vraiment dans les Spyro 1, mais ils ont rajouté ça dans les remakes. C'est de faire le boss perfect, c'est-à-dire sans se faire toucher. Jolie ellipse. Donc ce que je vais faire... Non. Pas tout de suite. Je vais d'abord niquer mes Sparks. Parce que ces ennemis-là sont assez spéciaux. On va faire ça vite. Oui, je tiens toujours mon défi de faire tous les boss sans Sparks. Le seul qui me fera peut-être un peu chier, c'est soit Nasty, soit Jack. Fanfaron, c'est une grosse blague. C'est limite, tu peux faire ça à une main sur la manette, quoi, ce boss. Tapez-moi! Tiens, viens avec ton canon, toi. Ou non, même mieux. Même mieux. Hop. Et dernier coup. Voilà. Là, on peut y aller. Je tiens ce défi, surtout Dr. Shrimp. Il est facile si on le connaît par cœur. Extrêmement facile si on connaît par cœur, oui. Enfin, un minimum de réflexe. Mais c'est pas un réflexe de ninja. Faut pas abuser. Voilà. Alors eux, ils sont super marrants. Ils se suicident tout seuls. Ce sont des petits kamikazes. Hop, les grosses madames. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Oh, merci pour la petite... pour le petit joyau. Bon, le souci, comme j'ai pas Spark, c'est que pour avoir les joyaux, j'ai intérêt à faire très attention, vu qu'il ne les récupère plus. Voilà, tellement débile, j'adore. C'est un boss que j'adore. Sûrement l'un de mes préférés. Hop. Taper avec une cuillère. Ah oui! Attention! Oui, oui, oui. Il faut surtout faire attention. Ah merde! Ah bah il m'a rattrapé. D'accord. Autant pour moi alors. Allez. Le souci c'est que je vais re-avoir Sparks. Je vais faire exprès de me faire toucher. Voilà. Ah oui, elles me font pas de dégâts, c'est vrai. Voilà. Voilà. Maintenant j'atterris à faire attention et vite. Putain, je les oublie à chaque fois, hein, ces cons qui passent dans ce couloir. Là en fait, c'est qu'il faut passer en mode coup de tête. Voilà. Ah, enfin, d'habitude ils courent en ligne droite, ces bandes de cons. C'est bizarre. D'habitude ils courent en ligne droite. Et je pensais que j'allais pas me faire toucher. Bon bah autant pour moi alors. Bah allez, touche-moi. Allez. Puisque le boss en lui-même, de toute façon, je veux le faire sans Sparks. Allez, hop. En plus ça me fait farmer de la vie. Au pire. Voilà. Oh bah faut abuser des coups de tête, hein. Allez hop. Voilà, je les laisse se casser la gueule entre eux. Super. Allez hop. Bon, il faudra monter. Je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose au passage. Non. Non. Très bien. Donc on va monter. Mais pas par là. Non, non, non. Déjà, on s'occupe d'elle. Le truc, c'est qu'elle peut nous pousser dans le vide. Faire très attention. Voilà, ici. Un tout petit secret. Très visible, quand même.
suffit juste d'avoir l'œil et d'avoir le sens de l'observation et de... Oula. Et aussi de la visée. Un petit peu quand même, oui. Il faut que je guide la caméra parce que je peux pas voir où est-ce que je mets les pieds en fait. Mais la caméra... Putain, la caméra en fait veut même pas se baisser. Ça c'est un énorme défaut, je trouve. Donc on va recommencer cette fois-ci. Mais on peut aller depuis ici, y a pas de souci. Techniquement, je peux aller d'abord par là. Voilà. Ok. Ok. Donc il faudra pas que je le fasse toucher par Dr. Shrimp une fois. Sinon, mon point de compétence, il est niqué. Ok. Voilà. Ah oui, je l'ai complètement oublié, lui. Bien regarder à côté. Petit joyau violet qui est là. Voilà. Et là, c'est bon. Allons faire le docteur. Il est plutôt cool, hein. Franchement. Et très rigolo. Sur PlayStation 1, il était déjà très rigolo. Trondo. Le docteur Shrimp se croit tellement cool. Et tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. Oh là 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 là. Oh là là, quel badass. Je l'aime. Lui, c'est sûrement mon préféré. Ce dragon Rasta, là. Il ressemble beaucoup à Drago dans Dragon 2, je trouve. Ouais, lui, ce sera mon préféré, je pense. J'aime beaucoup. Alors, lui, faut l'attirer là. Voilà. Faut lui toucher les fesses à chaque fois. Il va tout en faire ça à chaque fois qu'on le touche, c'est pour ça qu'il est marrant. Vous voyez, c'est ça qui ment dans les Legends. La petite touche d'humour à la Spyro. Parce que là, c'est devenu un jeu beaucoup trop mature dans son esprit. Alors, lui... Oui, il va tourner. Voilà. Deuxième phase, faudra éviter... Enfin, dernière phase, faudra éviter... Faudra sauter, parce qu'il va faire un peu comme Papou Papou dans Crash. Là. Et voilà. Point de compétence obtenu. Dr. Shrimp perfect. Sans Sparks. Prenez-en de la graine. Le mec, il frime. Faut dire Dr. Shrimp... non, c'est Shemp. Putain. Pourquoi je dis toujours Shrimp? J'ai toujours dit Shrimp, c'est complètement débile. Bon. Le petit coffre. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Le mec il ramasse même pas. Voilà, niveau terminé à 100%. Allez, on passe comme ça. Voilà. Un boss plutôt sympa, hein. Vous pouvez le voir. Quand vous connaissez par cœur ces phases, il est easy, hein. Méga easy. La première fois, il vous surprendra, ça c'est sûr. Eh bah, ça c'est cool. Très bien, très bien, très bien. No problem.
Bah du coup, on est à 30 minutes. Je pense que je vais peut-être faire de mini-ellipses juste pour quelques petits passages inutiles. Hein. Sûrement, ou peut-être pas, on verra. En tout cas, on a terminé le monde des passifs. Enfin, pas tellement, puisqu'il y a encore le niveau vol de nuit. Oh putain, je vais m'amuser. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de l'avoir tourné. Hein, j'ai pu faire mon niveau préféré et mon boss préféré de ce monde-là. Donc, surtout mon boss préféré tout court. Et puis, à tchoum! Voilà, c'est l'hiver, c'est normal. N'hésitez pas du coup à aller voir les autres séries, hein, Spyro 2, Spyro 3. Spyro 3 fait par Zozo, Spyro 2 en duo, moi et Zozo. Et en attendant, que la foudre du Diluga soit avec vous accompagnement difficile. Ciao, peace and love, see you next time. Yeah!